Lucien Mukanza na pesio pembote mbote ndeko trésor mbote na bande konyoso ba mesana olanda biso tout à l'heure ta on annonce ki na page na ngaki na ko yawa na mutu mo atuni ngai yo lingaka pa ya trésor chaque fois pourquoi ngai c'était au moni to yakawa parce que c'est le parmi les rares journalistes yo ba bandima ko teka conscience na bango te pona mosolo. Ah oui, ça a été conscience éthique. C'est un peu comme ça. Bon, yo magambuto eli awa yango wana me et au moins awa ya magambuto nyoso tunde biso to lobi boy so bat bala contre biso balingi ba ya pas trésor ba ya opposé ba en condition te boy ya boleka boloba ya te lokola pa bande ko mususu ezalaka liboso kaniaka eso ba lesie kaniaka donc otika kuta ta droit de réponse te bat mususu baloba merci. Et je suis un peu de Serbien, surtout parti où il y a le sage de la République, honorable président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso, on a souhaité bon retour na Congo parce que Zalegi Libanda, Tata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tindaki qui nous représente na couronnement ya roi Charles III. Aouti kozongi la biso azali wana pesi mbote bisika azali. Merci ya mboto kota makambwana to que 1:30 l'opposition avait annoncé maître Emmanuel Mars na ye moi kala. Kuya ko boya ka likambo a quelques heures ya mars on va mettre ko décalé l'autorité urbaine pouvait bien le faire même la début à semaine pour et kotika bato ba engager déjà dépenses ya sensibilisation et puis kuya ko boya likambo ngona nenga kala monte kitaka la même pratique oyo bato ba ba reprocha ki na tangwa kabila nde zozonga. Bon de ko kala fa une question là je pense que autorité urbaine azali responsable ce qui d'abord marche ils ali droit ou ils ali reconnu na la constitution. Constitution na biso ils ali ko reconnaître na batou ba marché pour na ko revendiquer loko moko topé pour na ko dénoncer likambo moko o ba ko sepela na ngote na kati ya mboka mais na yango bibe ko na biso esengi ete bato bazan na besoin ba marché ba informer autorité ba informa ki yango bande ko basala ki mais autorité pe azali na latitude azali la possibilité ete ce qui a sentir que il y a un danger par exemple sur le plan sécuritaire ce qui a joui déjà ba fuite moko ete na kati ya marche wana par exemple incident moko ekoki ko koma bato ba koki ko kufa et qui ont créé désordre dans la ville, ville, autorité avant la possibilité, soit il y a pour interdire marche ou et ça les mamoukolouana, peut à programmer un mot mokolo mususu. À décaler pour le 18. Je crois que c'est ça, pas je crois, c'est ça que le gouverneur Gentini Ngobila a sali. Donc pour l'angaï, je ne trouve aucun inconvénient dans le report ou la décision Oyo, Mokondi à ville, province à Kinshasa, a joui pour la. Au décaler marche ya ba ndeko na biso ya opposition je crois que ezapo na sécurité ya biso nyonso bana mboka ezapo na bien ya biso nyonso que les gens ne prennent pas ça na mauvais sens na cadre ya ko étouffer ba droit par exemple ya baninga ya opposition ndeko lipsien ce qui gouverneur avec l'autorité urbaine je parle pas de gouverneur en tant qu'individu ce qui l'autorité urbaine a lobby. Il y a risque d'infiltration dans la carte de la marche. C'est là où il y a une information à sa possession. Que ben de comme ça va couler dans la carte de la marche, on va pouvoir semer trouble. Ce qui y a risque, c'est samedi. Et samedi 18, il n'y aura pas risque. Est-ce que ça fait que la manœuvre est dilatoire pour étouffer cette liberté et pas ben de comme ça opposition, liberté de marcher. Je ne pense pas à un de trésor parce que. Et oui, bien que déjà le fait que pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, Robeng Sabandeko va organiser une marche, il y a beaucoup de gens qui sont pour expliquer la situation. Et que il est en tant que gestionnaire, Moutadou Kokamba, ville de Kinshasa, oui, bien que la ville de Kinshasa n'est pas une commune à Maloko et qu'il y a une limite entre la province du Kwango, Nabiso, la poste pratiquement à Mongata. Alors, ça signifie que c'est parmi aussi la zone où ils ont des troubles actuellement. Et Bolanda qui a un peu de réseaux sociaux. Et Mboulamatari et Kola ont la situation.
et que ce qui va monagi que déjà dans la partie à la tension ils ont signalé dans la commune à Maluku ainsi de suite ils ont déjà dans la pleine ville à Kinshasa et que en attendant que na niveau na bango ba ye ba ko maîtriser complètement situation wana et qu'ils ala qui risque pour na bango ko autoriser masse mouvement moko marche moko ya population parce que oyo en cas d'infiltration parce que ba toana il faut signifier que baza en logique ya ko conquérir te baza na logique ya sabotage bato bazo sala bango na baza na logique ya sabotage. Alors, bah, tu vas voir marcher, boyer que bah toi là, bah côté dans groupe, bah tu vas marcher. Tant que souci, y a perte de la vie. Gouverner, c'est prévoir. Y a un mot peut-être gouverneur a joué risque. On a été autorisé marche, on a en attendant que bah service de sécurité bah salam salam na bango a décalé y a un mot kaka. Boyer te mais a décalé y a un mot samedi prochain. Bah dès que bah au temps bolané bah lingi. Et surtout que tu es bien au Tambola. Bon, mon problème, les alités, bah, au Tambola. Les libertés garanties par la Constitution. Merci. Lisanga Bonganga. A sali regroupement, Moko. Se retourner siège à regroupement Zarap, la paroisse Saint-Augustin à Lemba. Lisanga Bonganga. Kouloutou. Tika Moli Moana. Tika Moli. Michel Mangala. Isanga Bonganga. Le bas non kakake, non, non. La komi. Ah, bon, la tiki. Crête, y a Selkona, SSR, dans le Cambodali, audit, y a fiché électoral, balobi, soke salami, dans le lenge, oyo, opération, oyo, eko, tia, moi, kimiate, na ba partie prenante, nyonso, y a élection, y a 20 décembre 2023, bande konanga. Est-ce que ça te moussala, le Cambo, oyo, batu basé, yako, décrié, de debi, il y a une opération, il y a un enrôlement de Tokomoko Manango. Le lieu audit affiché électoral, déjà, il se pose un problème dans le délai. Il y a un Batikeli soumissionnaire. On a le Kamotel appel d'offres, signal le Binabango 3 jours. L'organisation civile, le Binabango 3 jours, c'est illégal. Et c'est 30 jours, on a procédure normale, et puis 15 jours, on a procédure d'urgence. Est-ce qu'il y a un Binabango qui a été éloigné en ligne? Une minute, au côté de Marambassiné. Non, je pense pas. Je pense pas que Kadimako a lingué à ça, là, où il a lingué, étant donné que ce qui est important dans notre pays, Trésor, nous en avons besoin, était ma ponomie et ça, là. Attends, ma contestation, vous allez me casser après. Bon, dans ma ponomie, déjà, il faut noter que ma contestation, c'est la caca. Il n'y a jamais eu des élections parfaites dans Mokili Mobimba. Mais nous en avons besoin, au moins cette fois-là, que nous en avons élection Moko, même si les coquilles combinent la contestation. Mais et satisfaire au moins la majorité, il y a des Congolais. Tout ça, il y a une élection crédible. Et ça, les mains, dans de très bonnes conditions. Je crois que CENI, en tant qu'organe technique, une institution d'appui à la démocratie, qui est un organe neutre, Azali Kosala, Maenioso, a coquille Kosala pour nous mettre dans de bonnes conditions pour être tous à la élection, Oyo, Yamalam. Alors, je pense que le président Kadima, Ayebi O, Azali Kosala, il ne s'écarte pas. Nami Beko, Azali Kolanda. Mais dans le but 3 jours, s'écarte Nami Beko. Non, mais. La loi dit 30 jours, 15 jours, n'a qu'à urgence. Bon, hier, en tant que technicien, tu sais que Mibeko et Salima, pour la. Mibeko, ils allaient tenir compte des réalités sociales. Des réalités sur le terrain, ils allaient montrer que. Bisso ba Congolais to mesala était ceux qui par exemple l'opération Moko au Seigneur avec ça et Oumeli les gens vont crier encore la tendance il y a pour prolonger ba opération là dans le but il y a pour glisser. Vous comprenez? Alors ceux qui s'est mis à écouter durer voilà juste pour nous permettre tous à la élection dans le délai constitutionnel mabe ezawak. Aza organe technique azali pour apprécier ce qui est faisable. Ce qui est bon pour que tout ça n'a pas élection dans le délai constitutionnel et puis ben élection il y a malam. C'est dans ce sens là que moi je suis en train de voir. Décollipsé ce qui ça, Makamboto ta dossier Snell. Ce qui déjà audit et affiché électoral les alliés qui posaient problème, monter que crédibilité il y a processus qui posait des problèmes et puis doute sur la sincérité. Et à processus électoral de Kozalasu sont renforcés, ma casse. De votre trésor, Nazaragan a la logique où il y a réaffirmé la souveraineté Nabiso.
Nous sommes un État souverain, nous sommes un État indépendant. Et l'organisation à l'élection, ils ont fait partie de la souveraineté, de la respiration normale et de la démocratie. Les lois, depuis 2006, les fichiers électoraux, ils ont été audités par l'organisation, par les partenaires externes. Externe. Ça, la rayango, mais yo mon gozalia, ou yébi que cela n'a jamais fait l'objet d'une unanimité au sein de la classe politique du Congo depuis 2006, malgré l'audit affiché. Cela veut dire quoi? Le lot au tokoki, qu'on brade souveraineté, n'a pas sauté pour pleurer à certains individus, à certaines humeurs. Enrôlement et salémi. Et pas il y a commission électorale nationale indépendante telle que constituée. Le lot aussi ici enrôlement tout le monde affiché. Le fichier est déjà constitué. Mais pour plus de traçabilité, on veut une expertise externe. Bah il y a pas bataille la musala n'engue salini. Tout bois qui OIF parce que OIF wana mutoza en tête n'angwaza rwandaise. Et puis, le bar français était. Ils ont pour la humiliation, qu'on ben a OIF et a audité fichier. Ah, c'est là qu'il y a 2000. Et alors en 2016. Bateau, bah, ça là qui en haut, pourquoi, bah, ça là qui en haut, et qu'un État qui se respecte, n'est pas tout le coup là. Gouvernement à la tête avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu sais, on dit Mabilo, qu'on a été bisous dans la logique, qu'on a affirmé souveraineté, n'a bisous. OIF d'abord, ça Rwanda balo bara français té mais bazou ba kamata muntu alo bara anglais baté na tête ya une organisation française. C'était déjà une insulte de la part ya République démocratique du Congo tokoyi kondima yango té. Alors to boya ki yango ba o ba bengi bango ba bengi bango ba ya batala. Bota la fichier est déjà constitué. Voilà, même si loi élobique est 30 jours mais sur le plan technique Ndekoka Dima peut présenter un fichier qui peut permettre na bato bakoya ba sala musala na temps imparti oyo ya pesi bango bakodité pe bakosala yango pour batala qu'est-ce que nous avons prévu. Je pense que cela ça tête tout ça ba débat autour des délais et tout ça. Nous sommes un État souverain ba ya batala so balingi pe batala te toko kende na maponami et puis maponami wana ezali ko garantir transparente oyo akozwa pété akozwa te. Parce que la crédibilité des élections dépend des conditions qui sont en train d'être mises en place par la Commission électorale nationale indépendante ou les alliés structures internes et biso et vous allez partenaire mon côté nous avons organisé les biso élections même si à audité fichier électoral à biso. Merci tous aux élus. La loi sur la répartition des sièges mais la recense dans la bâtiment sera reconcourir ceux qui balobi au poli ndima ceux qui balobi moninga zui ndima copole qui paraté. Si porter ça réel, éviter ceux qui mardi, ceux qui mercredi à rouler. Nous sommes polis, on dit. Nous avons le même comportement que les sportifs. Nous sommes polis, 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 mais Denis Kadima, nous sommes polis, nous sommes la gang te. Denis Kadima, il faut que nous sommes polis, nous sommes la gang te. Et ça, nous sommes polis, nous sommes concourir, nous sommes la gang te. Ça, nous sommes bien. Dossier à SNEL, Tolobani. Bouti na Kwango, Bouti sur terre. Nini bomoni, nini bomonite. Est-ce que Makambu déjà évoqué la tribune ya Assemblée nationale? Bomoni yango. Est-ce que le Kwango est prêt à voir l'électricité dans un laps de temps la colonie Savana Moussala ou Yosnel déjà à Sali. Avant tout, quand on a des termes, qu'est-ce que vous avez vu dans Kwango? Merci Ndeko Kalafai pour nous retourner à Kwango. Nous sommes au Kwango, effectivement, au Kwango, nous sommes depuis quelques jours. Le Kwango, ils allaient prêts pour nous recevoir l'électricité. Photovoltaïque? Non, bon, je crois que tout au long de l'émission, nous allons à parler. Parce que pendant que tout ça, Kikuna, na bah, séjour na biso, tout à la qui na télévision, tout à qui surpris, na sortie médiatique et à collègue Nabino Moko, collègue Nabino Moko, où il a présenté
pratiquement émission il y a Bosolo la politique avec Obama Kambo avec Obakisa Makambo Namaye directeur il y a cabinet il y a Ndeko Lusinde à l'Obaki autre qui a recadré l'autre fois et collègue Nabino aye Obali Soussou cette fois là na combo ya Ndeko Lusinde déjà parce qu'il y a un élément déjà c'est écœurant tant que Azaï Koulouba na 4 émissions là que Bandeko Obazaï Koulouba na combo ya Christophe Mbosso ceux qui balini balik en émission pour le droit de réponse il faut baya awa et panangai non ton koki ko sa la Ndeko quelqu'un déjà pour la Bissot à l'entendre parler, il s'est mis dans la peau. Il y a porte-parole et à monsieur Lusinde. Je pense que sur le plan déontologique, il y a Biloba journaliste, il revenait na directeur de cabinet dont nous avons contredit les allégations, il lui revenait à lui. Il y a koya la télévision, et koya ko démentir Makambo Obiso Tolobaki. Mais un journaliste, local à Yo, Ndeko Kalafai, au métier, la place, il y a communicateur, porte-parole, il y a Ndeko Lusinde, ou à quoi défendre la TV, ou à quoi le bas, allégation, mon gros de foi, mensongère, et qu'on est au sein de la. C'est un mensongère, apporte peut-être un élément contraire. C'est ce que je dis. Ou à quoi c'est la Bissot, Toya, Lissoussou, ou ça là, démenti, et pas une Ayo, ou ça là, droit de réponse et pas inayo ça nous avons il dit. A laissé une brèche ce qui m'a cambois le bébé nous monnaie à soloté bouillard copé sa version des faits non ce qu'il a fait non mais il y a déjà tout ça qu'on considérait pour le moment tout ça qu'on considérait au regard il y a façon à l'obéli toi vous considérez pour la porte-parole ou bien communicateur il y a une déconnucine tout gros aucun dé que ça la droit de réponse et pas il y a mais qu'on a mis sauté communicateur il y a tout Lusinde tout ça bon je ne vais pas m'attarder à cela na maloba na ye avec le baké biso to kosaki parce que d'étude il y a faisabilité na dossier il y a kenge ils allaient mi balé selon Yé. Première étude, selon Yé, ils allaient étude Moko et Salema, la société Moko belge. Ce qui finançait par la Banque mondiale. Par rapport à cela, Ndeko Kalafai, je pense que vous avez étendu la télévision. Bakomi, étude, rapport d'étude de faisabilité, financé. Voilà ce qui régit à côté de la Bissot, bah, étude Oyo, Yé, Abrandisaki. Étude de pré-faisabilité. Bakomi, en gros, étude de pré-faisabilité. Voilà. Neko, Abrandir, étude, voilà. Pour la Rolobake, il y a une étude, il y a les bousso, selon Yé. Et ça, les mapons, l'électrification, il y a ville, il y a Kenge et environ. Et à avancer, ma chiffre est haut, il y a un peu avancé. Nous avons un carafaï. Sur où les amis? Nous avons qu'on relevait confusion dans le chef, il y a un déconabisso, il y a un brandi document au la TV. Bah, téléspectateurs, bah, t'as bien. Il ne s'agit pas d'une étude de faisabilité, s'il vous plaît. Ça, c'est une étude de pré-faisabilité. C'est-à-dire différente. Mais là, ma stratégie pour nous en bon côté. Là, là, le babou, il y a une pré-faisabilité. Non. Déjà, là, quand il y a étude, il y a pré-faisabilité. Bah, des thèses, là, ma cassité, le col là, avec précision. Nakati, il y a étude de faisabilité. Je précise et je répète que pour la province, il y a quoi ou électrification, il y a ville de Kenge et environ. Donc, il y a l'étude de faisabilité, mon corps. Voilà, Nakati étude, voilà. Il y a
une étude financière au Salema, une étude technique au Salema, mais également la carte d'études techniques, voilà, il y a ce qu'on appelle la considération environnementale, qu'on peut également appeler étude d'impact environnemental. Ça, ça répond à principe Moko, il y a droit de l'environnement qui veut que chaque projet au Badlingi qu'on lance sur terrain, ou qu'on a un impact sur l'environnement, mais qu'un peu potial, quelles sont les précautions qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter que l'environnement est à la dégrader considérablement du fait qu'il y a installation, il y a projet ou voilà. Donc, on a quatre études. Il y a faisabilité, études de faisabilité. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect financier, il y a également l'aspect environnemental. Vous comprenez? Okay. Alors, on a quatre... C'est un tout malin. Voilà. Selon Bino, contrairement à ce que le confrère a dit, oui. Il n'y a jamais eu deux études de faisabilité. Jamais. Il y a eu une étude de pré-faisabilité. Voilà. Et puis une étude de faisabilité. Voilà. L'étude de pré-faisabilité était financée par qui? Étude de pré-faisabilité, je crois, c'est qui Banque Mondiale Moutou a financé Kiango, mais c'est qui piloté par UCM. UCM. UCM, c'est unité de coordination. UCM, dans un moment. Voilà. Financement Banque Mondiale. Voilà. Étude de faisabilité, Ezali financé par qui? Ezali financé par UCM. Étude de faisabilité. Étude de faisabilité. Non, étude de faisabilité. Oui. Étude de faisabilité, Ezali qui est financé par FPI. FPI. Voilà. Okay. FPI. Pré-faisabilité, montant hauteur dans Ezali à combien? Bon, pré-faisabilité. Hauteur dans Ezali à combien? L'Ipsia, on a aidé pré-faisabilité. Hauteur dans Ezali à combien? Bon, na lingina loba au moni avant la côte penza na mozindo na o etali makambo eti da préfaisabilité na étude ya faisabilité yambonde ko wana oyo ko satelé pour la piste na makambo na lingina loba mais ça pousse ça été a poussé na ki déjà parce que ya la ki makambo ya lokuta pour la rejoindre un document webiné to za la rabo et ce qui vont décider qui est tout le engagé projet Moko na ville à Italie, ma province à Kwang. Batu Mako Sangana Awa sur base de connaissances préalables sans que ma quitte en terrain. Balobi, que par exemple, neti Oyo Nekonani Oba Bing étude de préfaisabilité. Balobi a mot clairement que étude de préfaisabilité pour l'électrification par source d'énergie renouvelable des 21 chefs-lieux de province non desservis ou insuffisamment alimentés en électricité. Bafongo lui brèche pour lui, rapport d'études de pré-faisabilité complète, Kenge seulement. Babi bien, Kenge seulement. Batu basanga la ga awa na Kinshasa 5 ba kitana terre. Balubi Kenge za combien de kilomètres la ville à Kinshasa? Oh, 275 kilomètres. Bon. Est-ce que vous avez étudié la possibilité d'alimenter un panneau dans la source d'énergie? Ce qui n'a pas de panneau, vous avez un panneau, combien on étudie de préfaisabilité? Ce qui n'a pas de courant, vous avez un panneau, bon, source d'énergie, vous avez un Bukangalondo. Bukangalondo, vous avez combien de kilomètres? Vous avez 75 kilomètres, par exemple, dans la route normale. Alors, vous avez un panneau, vous avez une étude de préfaisabilité sur base des données qui existent. Mais maintenant, pour que le projet ait le canafage normal, il faut que ça là, au babengi étude de faisabilité. Étude de faisabilité, c'est-à-dire que n'a pas possibilité nuance au étude de pré-faisabilité à Pesaki, source énergie à panneau, toute source énergie électrique. Il y a étude de faisabilité à Kopona, option Moko, à Saleli Yango, étude. Pona. Quoi, on va dire que par rapport à l'étude de préfaisabilité, on va dire que l'étude pour l'électrification de la source d'énergie électrique à partir de barrage et poste de Bukangalonzo. Tant qu'on va mener l'étude, ça signifie que ça tenait compte de l'aspect technique.
financiers et environnementaux. Yona ezali biloko oyo retrouver dans ma étude de préfaisabilité parce que wana ezalaka sur des suppositions. On a compris toi. Voilà. Alors, tant que ezala ki mené batu balobi que unité oyo sala ki étude de préfaisabilité, ça s'appelle l'unité de coordination et de management de projets du ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. ICM. Ba koma yango na coin. Ce n'est nullement une entreprise belge, non, et ça lui, le très différent. Et là, on a étiqué Ngaïndeko. Bateau, bisous tout le monde, à l'occasion de Bali, présentateur. Ou alors, il y a un document et pas naïo. Ou il y a un brandir, il y a un lobby qui est. Bandeko, c'est lui la communication après l'assemblée, il y a un document des études. Ou il y a un belge, il y a un qui a projeté études de préfaisabilité. Tu as la gravité, il y a le coup, il y a un modèle, voilà. Et puis, à hauteur de $169,000. Ok, $169,000. Oh, bah, ça là, comme étude, rapport, ce sont les seules études. Les loyaux, les parmi les rares journalistes, ils ont battu surtout, ils ont mis les loyaux, et un trésor baladissa et moukanda moko ya le 20 mars 2023 oyo ndeko DG au baouti ko suspendre à Sengaki voilà babi le 22 le voilà réponse il y a comment dit le 20 il y a comment dit la réponse à réponse wana. Il y a Sengaki Kuna Nakati Bakomi, état des lieux, demande de constitution d'une commission mixte en charge de la revue des contrats avenant protocole d'accord et accord de financement conclu par la SNEL en 2022, sans avis de non-objection de la direction de contrôle des marchés publics et sans autorisation préalable du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la SNEL. Ndeko oto le bela awa journaliste alobi ke tant ou ya la disa ni mukanda wana batika la kopesa yango réponse T. Ye mukanda wana ezali ya le 20 mars au DG au balongo ya komaki. Oyo ezali ya le 23 mars. Oh, réponse ya réponse ya ministre ya énergie et ressources hydrauliques. Azali en place. On peut permettre un paragraphe par rapport à mensonge où il a dit que le contrat à titre de ma contrat est signé sans avis de Yanan. De votre trésor. Dans le deuxième paragraphe, ministre Azoué Bissaïboué, je me dois de constater que vous êtes en train de remettre en cause des contrats qui, pour certains, portent sur des projets initiés par le gouvernement et d'autres qui ont reçu son approbation. Conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les projets initiés et avalisés par le gouvernement ont tous pour objectif l'amélioration de la desserte en électricité ainsi que le renforcement de l'outil de la SNEL. Le résultat de certains de ces projets sont attendus cette année. Na Sugika Kawana.
yo koti okuti misala oyo prédécesseur na yo asali olobi ete asali malamu te a violé procédure okomela nani eyagi malamu mais ministre a rappelé ye alobi na ye ke démarche wana ozali kosala ezali kofrene parce que gouvernement de la république eyali na baprojet oyo fo e réalise au courant de cette année dont l'électrification ya ville ya kenge ba réponda ye mukanda yango oyo ba projeté yango na tina awa bato nyonso surtout bamoni ndeko wana aleki na télévision alobi abengi kutu mwana mayele akomeli mutu ti lelo mukanda wana barépondo yango te bato bamoni réponse ya mukanda wana ndenge ministre arekadra ye par rapport ya incompétence na ye ministre arépondre ayebisi ye ke il appartient au conseil d'administration et vous-même de pouvoir prendre les responsabilités pour que ma projet wana est salement. Neko. Tout le monde dit interview à IGF. Neko. L'Assemblée nationale procède au contrôle général. IGF a le contrôle financier. Yo zali journaliste d'investigation au bisoto respectaka. Autant à interpellation wana honorable Mukasa ou Abengi la DG Lucinde Walongoli. Nulle part on a fait mention il y a détournement. Et nous voyons que la mission peut choquer Bissot. Comment se fait-il de quoi l'ingé de Bissot de respecter Makassi à se précipiter pour avoir reçu la déclaration que non, on n'a pas constaté un détournement dans les 6 derniers mois de la part de CDG. Qu'est-ce qu'on cache derrière cette précipitation? Assemblée, non Bissot, total acquis. Et non, Bissot est subi ce Zalagini. Débat est salé dans l'Assemblée nationale. Balobi était, Ndeko, Azali incompétent. Va reprocher immobilisme sans faire allusion à la gestion financière. Assemblée nationale a dit il y a un monde de commandant longue la kine transformateur aux aïe sur place comme on remplace la quartier moussous. C'est à dire que l'Assemblée nationale est procédé à l'hôtel avec un mouton et au compagnie vision à chef de l'état à ce qu'on bloquait ma projet même il y a un gouvernement n'a qu'un n'est qu'on a eu le nom de mon team de pouvoir le baquer pour que. Il y aurait des gens qui seraient en train de chercher des commissions là-bas. Projet à la ministre, le gars dit que non, c'était un projet du gouvernement. Et le nom de Bissayon de Trésor, que n'est-ce pas à la population de la ville, il y a Kenge, n'est-ce pas à mon condi, à l'école, Félix Antoine, tu sais que tu l'as dit, tu bango courant à Bango, 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 Zéraka, courant et Kota, na Ané Oyo. Mais tant le même ministre a commis lieu que. Ndeko sala makambo parce que le programme au gouvernement au sali ya ngoti et à la fin de compte pour la kanyaka nazongo préciser kanyaka mutu a s'est transformé en porte-parole d'un monsieur de mandataire qui a été déçu pour venir raconter les contre-vérités biso toyena mikanda o alobi a contredit biso sur le ligne nous avons rapporté le deux grands mensonges o alobi sur l'existence des deux contrats et puis a roloba été projet Ezalaki, mais par rapport à la révision du bah, contrat, le ministre n'avait jamais répondu. Mukanda yango wana balaki si yango. Donc on aborde le dossier sur la surfacturation et le projet wana. C'est la succombe. Avant toi aborder le dossier à la surfacturation et projet, Maître Emmanuel, en quoi les dires et les journalistes vous ont touché Bino? En quoi ça vous dérange autant? Parce que nulle part, la MONI, l'Assemblée nationale, ou encore le député initiateur de la motion, après déchéance ou retrait à confiance ou quoi que ce soit, comme l'a dit Joana, à rebondir dans le dossier, à tiquer dans le dossier. Vous êtes certes battu à Kwango, mais vous êtes des cadres à CRD. Vous réagissez pourquoi? C'est parce que le président Mbosso, être impliqué dans un dossier à Kwango, même impliqué dans ce qui est arrivé dans la DG Lucine, il y a un peu pour réagir. Merci Ndeko Kalafay, dans la CP na Motuna là. Par rapport à cela, déjà, je dois noter, et puis, bah, Kongoman, il faut bah, y aller. Bisso, et là, ça a bisso passé, au peso kam, ça bisso, c'est que une décision, il y a assemblée plénière. Une décision, il y a plénière et assemblée nationale, où ils ont mis souverainement, parce que plénière, elle est souveraine.
Ma décision ne soit zoaka, et ça en toute indépendance et en toute souveraineté. Moutoumango te a recoya ko pe sa ba injonction na ba député que bo sa la boye, bo sa la boye. Te, et ça ba droit na bango, et ça ba prérogative na bango reconnu na constitution. Ba député, sur base, ya pouvoir et ça reconnu la constitution, pe règlement d'ordre intérieur, ba interpellé. Ndekolusinde. Ba poser ye mituna par rapport na situation ya électricité na RDC Mobimba. Ki chassa pe ba mboka. Ndeko ba poser ba question ndekolusinde uti koloba ngwa wa. Na suka ba constater que azali incompétent. Toboite. Parce que akokaki ko répondre na ba question ba député te balongolié. Mais ya wala lobi kasi. Ce qui nous étonne c'est le fait que ndekolusinde a bandit d'abord Kotinda, directeur de cabinet na la TV, pour le baïté, va régler ma compte, parce que, et moi je m'a réglé ma compte, parce que à moyen qui contempéré la ordre mal donné, il y a Christophe Mosso pour l'électrification, il y a. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a moins d'abord passé. Et il y a différentes vidéos Ndeko. Il y a différentes sorties médiatiques. Nous sommes tous sur terrain. Tout est sur terrain. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que l'honorable président Christophe Mbosso, Ozali, une haute personnalité, Azala Sali, Lelo, même, et pas Bande Konaye, Badi Misael Okola, Moutoumoro, Azali, blocage, Moutoumoro, Azali, Sima Baretro, commission, ça, on ne peut pas accepter. Yango, Ezali, pour ça, a dit, ce pas si, Yango, Ozali, comment la que, Ozali, pour réagir. Assemblée nationale, et Sali Moussala, Yango, souverainement, et ça nous semble en haut souverainement, Ndekolusinde. Déjà, collègue Labino. Non, ne revenez plus sur non, ça. S'il vous plaît, Ndeko Kalafai, Ngai Nabolinga, au moins émission à l'élo. Ils allaient pas mis au point. Et puis, tu as la, bon, la fixation trop sur quelqu'un. Non, non. Il faut donc revenir là, bah, Maramsou soit à l'objet à l'Okuta. Nous devons, permettez-nous de réagir. Surfacturation, c'est la guitare, c'est la guitare. Non, déjà, surfacturation. Si surfacturation, il y aura, ce n'est pas au président Mbosso de le faire. Étude et faisabilité. C'est un bureau d'études. Pour le financement. BGT. Pour le financement, il y a la Travogno Soana. Non. Vous avez estimé à combien? Il y a un Ekoloba. Après étude. Montant qui dégagé par le bureau d'études BGT et Zali 24 950 et quelques. Donc, c'est ça qu'on a, on dit pratiquement là 25 millions. 25 millions. Alors, quand on nous dit où est-ce qu'ils ont tiré le 25 millions, la réponse, bah, Congolais, faut bailler, bah, que réponse, et Zali, il y a 4 études, il y a faisabilité, où est-ce qu'ils ont mené par les experts, bah, qui sont sur terrain, pilotés, par contrôlé plutôt par le gouvernement provincial Ozali Lelo dirigé par son excellence Jean-Marie Petit-Petit Tama Azali Aza sur terrain ministre de l'énergie Azali qui sur place Aza sur terrain Bazala qui wala bangonde ba pilota qui bazala qui contrôlé bureau d'études wala au ba mena qui étude et puis ils ont dégagé le montant de 25 millions. Alors dans tout ça s'il vous plaît, où intervient l'honorable Christophe Mbosso? Pour moi, le baïté, hier ou tout, à Kendaki, pour ça la facturation. Où est-ce qu'il intervient? Alors, c'est là où ça blesse un tout petit peu. C'est là où, pas un tout petit peu, ça blesse même beaucoup. Ça blesse beaucoup. Ça fait, ça parce fait. Que ma technicien, baïté, il s'habille non. Que poteau électrifié, Kenge, il faut 25 millions. Dans quand il y a 25 millions là, bah, il y a un petit rapport là, SNEL. Et après rapport Rwanda, DG à SNEL, je crois que Togotine de la yo ordre d'émission Rwanda, DG à SNEL, Kayombo, a signé un ordre d'émission Moko. On a descendu sur terrain, à se rendre compte de la réalité, il y a terrain au regard. Il y a rapport, il y a étude de faisabilité au Bapesaki Barou. Quand ils sont revenus, Snell a occupé pour revoir
par exemple, à Rokobakisa, Babilo Moussous, au regard, il y a un élément Oyo, accouti sur terrain pour Nako, aboutir, la montant Moko, conclusion Moko, pour le baquet, pour Nako électrifier Kenge et environ, il faut autant. Alors, rapport Wana, pour que, et les cas, pour être bon, Moussoulé Bima, pour financer, il faut avoir le conseil d'administration. Yasmine. Alors, on est à ce niveau-là. C'est la psychologie. Ne mettez pas bon. Tout pour ça, n'a pas toujours qu'une maman. Juste là, la question pour la pomper bango, malgré les alliés. Déjà, pas pour solution d'allongue. Moi, mes collègues, j'ai toujours qu'une déjà un mois, je crois. Est-ce que ma travaux sur terrain, ils ont poussé ça? Est-ce qu'il n'y a pas l'éthargie ici au niveau de la direction générale? Il y a Snell ou encore du conseil d'administration. Toujours le bas. Ça fait on parle plus du passé, du présent, du futur. Est-ce que ma travaux sont poussé ça? Dégolipsi. Bon, merci. Merci vraiment pour la. Tout le monde a tout le travaux sont poussé ça. Au moins, on a ici une mauvaise foi et Zalaki. Et pour le dossier électrification en ville à Kenge, même si nous avons joué intentionnellement sur les chiffres pour distraire l'opinion, au moins que depuis mon conjambo, le bar a tiré programme via électrification à ville à Kenge et ses environs, dossier évolué à qui vraiment tinasuka jusqu'à l'entrée Kakaya DG Outuko Longwa ou Fabrice. Pendant tout ce temps, Oyazalaki, les dossiers électrification à ville Yakenge évoluaient même pas d'un pas. Après départ. Toujours après. Après départ, naïe, la seule alternative. Le patron, il y a une surfacturation et tout ça. Il est en tant qu'expert à mon acquis. Mais na yo qui t'en a battu, il y a avocat naïe na télévision, il y a une alternative par rapport au projet électrification. Excepté et l'on va proposer mission à compte à société na y a ma panneau à tiens à déjà oui oui à y a proposé oui, bien comment se tamoni na lobby na yo boy yo kangai yé a convoqué baili nationaux ya province na biso nyon surtout président assemblée nationale wana na baili nyon surtout à lobby na bango boy on a zo loba mutuno surtout ya talan a contribué à lobby na bango boy qui na bukanga lonzo. Et si on a la cabine, on a le courant, la réalité. Et là, on a la cosabino, déjà, on a la cosabino, on a la panne. Bandima. On a la position par rapport à la géographie, la ville, la centrale photovoltaïque, on a la panne, on fonctionne, on a la tika. On a proposé, on a la panne. Tant qu'il y a l'ongwe, dossier et qu'il évoluer mbangu ko sakarate et comme ko solliciter un avis seulement nazo pe ça intitulé par exemple ya mukanda ya ndeko nae collègue nae azalaki nae un technicien un professeur un ingénieur ya bwania na makambu ya gestion akomi mukanda akomeli ndeko ya chargé à mission ya unité à conseil de coordination et à partenariat public-privé. Alors, au Sénat, demande d'un avis technique pour le projet de développement des infrastructures électriques à Kenge et environ dans la province du Kwango. Le dossier actuellement est allé besoin d'un avis parce que le financement, les partenaires sont là. Ce qui m'a passé à vie, courant, Basali Moussala. C'est ce qui manquait dans Ndeko. Parce que tant que tu as un panneau, tu as besoin d'un projet. Alors, tu as un dossier dans le conseil d'administration. Tu as un dossier qui a été à quel moment il avait saisi le conseil d'administration pour obtenir l'avis. Mais, au bout de tout, tu as un collègue qui a été à plateau. Il est très important. Parce que tu as un dossier qui a été à la plateau. Pourquoi tu as un dossier qui répondre à un mensonge avec notamment. Les journalistes recrutés pour la cause. Aya Moussala, on a le bilan surtout. S'il vous plaît, toujours le bayango parce que Bissot est un républicain. Et les revendications de la population congolaise pour nous électricité, ça a droit à bango. Mais quelqu'un ne peut pas se servir. Il y a des marches, il y a des lunes pour nous saper pour tenir l'image.
Alors, vous allez modérer parce que yo, vous allez nanan. Le propos tenu dans la chaîne, vous allez vous dire que vous allez vous dire que vous allez vous ce sont des propos désobligeants. Vous allez tenir l'image de la presse congolaise. Les gens que vous avez dit, vous avez un journaliste. Oh la salle à l'occultant la politique. Non, s'il vous plaît, retirez l'occultant la politique, s'il vous plaît. Mais monsieur, s'il vous plaît, retirez-moi. Bah, tu vas autant la biseau, bah, na, bah, beau, retirez-moi. Oui, bi. S'il vous plaît. Oui, mais ça va être assez mieux, hein. Retirez-moi ton président de la République. Oui, pour une personnalité, président de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Pour plus que. S'il vous plaît. Ces journalistes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, retirez-moi. Retirer en gros par élégance. Par respect à la galère, parce que vous allez journaliste et autres respectables. Merci, retirer. Juste la question. Là, la place, voilà pour le bac. Le nom du président de l'Assemblée nationale ne peut pas faire objet. Il y a fonds de commerce, Nabatou Oyo. Vous allez agir sur fonds, il y a vente, il y a conscience. Merci. Bissot, la partie de Bissot Lobaka, ne touche pas. Amboso, qui est caractérisé par une gestion orthodoxe. L'exemple, le modèle de la gestion de la chose publique, depuis l'époque Mobutu Tile Loba Citaïté, ce n'est pas parce qu'un individu qui vient d'atterrir. Autant de fois dans la télévision, nous viendrons pour rétablir la vérité. Nous sommes venus avec des documents. Nous avons démontré. Si tu as besoin de Romano Basso, juste avant la question, Maître, en 1 minute 28 secondes, tu as retenu le passage de la Bino A. Et là, tu as retenu qu'il n'y a pas eu deux études de faisabilité, il y a eu une seule étude et puis une étude de préfaisabilité. Il y a une surfacturation, tu as retenu qu'il n'y a pas eu surfacturation. Tu as retenu que le projet a avancé aujourd'hui, tu as vu, et puis le financement, ça a eu qui finance les projets. Tu as retenu le passage de la Bino. Ok, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le départ à Ndeko Lusinde, le projet a considérablement avancé. Ndeko Nanga Lipsin a outi Kotang Labino juste concerne et à l'être Oyo DG ad intérim a adressé qui pour nous avoir avis technique pour la électrification y a ville à Kenge. Donc pour le moment, il suffit à Viwane Zouama. Et puis, avis à conseil d'administration. Et puis, DG a co-signé Malamoko, contrat d'exécution. Il y a projet Wana, na bailleur de fonds. Okay. Parce que le bailleur de fonds, pour le moment, à sa prêt, Mbongo et Zali, il suffit que avis Wana, et pessamment, avis à conseil. Aïe, bailleur. Bon, c'était la zone Bayern. Oui, oui, bailleur de fonds Azali. Il n'y a pas que bailleur de fonds Azali. Bon, OP Azali. Okay. Alors, il suffit que Aviwana et Pessama, et puis, signature, il y a contrat d'exécution, et ça l'est mis. Et puis, on a précisé un autre mot. Souki, ça te remet la souris. Oui, oui. Bon, la zone Souki, ça, pour dire que, il faut que l'on ait un autre mot. Il n'y a pas un problème particulier, mais toujours pour le Baboui. Il n'y a pas un problème particulier entre Ndeko Lusinde et l'honorable président Christophe Mboso Kodiapwanga. Bisous ce qui te a causé la mise au point Oyo, c'est parce que Bazali pour prétendre être Kolongola Ndeko Lusinde et Zalaki règlement de compte. Alors que député Bazali Moussala Nabango, conformément à pouvoir Oyo, Ndeko Ezali. Il n'y a pas eu un règlement de compte, il n'y a pas aussi un problème particulier entre le président Mboso et M. Merci. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci Maître Emmanuel, merci Naon de Koulipsien, merci Nabino. Je crois que les Congolais vont comprendre niveau il y a implication à Bango, s'il vous plaît. Vous comprenez niveau implication à Bango, vous comprenez le PSK des soucis à Bango Isali et puis il y a le PSK dossier à électrification. Il y a Kenge dans le coin où est commis, et comme vous avez avis, pour bailleur des fonds, Zali, chop chop, mon solo, et Zali, 10 secondes. 10 secondes, mot de la fin. Merci, Ndego Trésor. Je remercie pour l'occasion, pour toi, pour éclairer la population. Et tu vas comprendre qu'à chaque fois, tu les caractérises, pour la mise au point,
d'abord sur tout ce qui s'est dit. Et tout ça là qui en haut, ce n'est pas que nous avons des problèmes techniques avec quelqu'un, mais tu dois rétablir vérité que l'électricité est un droit à la population. Ce qui est un droit à la population, et ne mettez pas. Et puis deuxièmement, ce qui est l'Assemblée nationale, les salis et l'eau qu'on a, ça n'a rien à voir avec les individus. Donc, bâti kako maître combo et président de l'Assemblée nationale dans Monokona Bango, et ça n'honore pas ni la personne qui les envoie, merci de colipsier faute et zappé à Mboka. Même ça qui bino, il jette Bosso qui s'arrête à Moussala Moko, Bosala Kamoussala Mouna Mouna Kouen et Bolinga. Bon, moi, c'est il jette comme un président de la salle conseil, même dans le séminaire à gouvernement, dans le ministre, il jette pas à l'eau. Mais maintenant, pas consigné. Alors, un chef de chef de service, pas ça va consigner. Bon, Mboka Mango. Pardon. Bonjour Trésor, la vie sociale et la paix paysa passe mingi, mais batou ou baza, la plateau bazo le bailo côté merci na bango. Bonjour Trésor, courant même na Kinshasa, ils a bien te bongo na kwango nde courant aux ala bien. Donc théâtre paysa la kana repos. Ah, et la théâtre paysa la repos. Bonjour Trésor, je voulais juste savoir. Ce qui marche à lobby et cause à la pol lobby, to fanda na banda ou po biso to te kakanalemba. Quand elle a vu la vie, vous allez te mettre à l'obé, vous allez à la paix sur la ramnoso. Bonjour, trésor, c'est Abdoul depuis Kinkole, je vous suis en direct. Et bisa batu yayo sacré wana, oyo bango bazo sala na mboka oyo sur la population azo sepela. Bonjour, trésor, to belle la mboka et non ba politicien to. Ovina ya bana na biso pe batalaka émission oyo mama grâce ya semba merci mama grâce to tombra mboka enoba politicien émission alelu sili merci la staff technique mobimba gael yale jus bongeli maurice gigandou bon anniversaire na yo landa ka biso ndeko limbisa mwa ko tia photo za passe ndeko victor makwala depuis monga fula pour anniversaire na yo yawe apesa yo oyo elingi motema na yo. C'est pas la peine de les inviter, de les bomber, de les faire quitter, c'est pas la peine de les inviter. Bon anniversaire à NK. Et monsieur Sylvie.